Avevo fatto il pisto e rejoint per fare della cacciola no. A plusieurs kilomètres d'ici. J'avais fait un circuit que vous pouvez trouver sur ma chaîne en vélo. Depuis le départ du phare de la Cacholle. Voilà. Et si on était venu vers ici, on arrive au Sainte-Marie. Alors en face, c'est le temps du Vacarès. Voilà. Je ne dirais pas, mais je peux vous dire qu'il est grand. La mer était peut-être à 100 mètres minimum. Hein? 100 mètres minimum, elle était au bout là-bas. Et là, maintenant, la mer elle arrive devant. Hein? Je me souviens, ça garait tout le long, on avait les camping-cars là. Il y avait de la place. Quoi. La mer était loin encore. Ça faisait comme un petit canal. Oui, ça faisait un petit canal et tout. Bon, c'était magnifique. Je ne sais pas si j'ai des images de l'époque que je vous mettrai, vous verrez comme ça a changé. Oh. Voilà. Alors maintenant ils font des enrochements pour empêcher la mer de passer par-dessus, parce que si elle passe par-dessus, ben la Camargue n'existe plus. Voilà. Alors je n'ai pas retrouvé des images depuis 30 ans en arrière. J'ai retrouvé celle-ci. Cela fait 7 ans, mais déjà 7 ans, on peut s'apercevoir de la montée de la mer. En effet, la mer arrive maintenant au niveau des roues. Et on voit d'ailleurs un bonhomme qui galope là-haut sur la digue. On voit voir encore, on voit les poubelles tout au fond là-bas et où on pouvait encore se garer. Sur la droite, on voit même des véhicules qui sont encore garés. Alors 30 ans en arrière, je vous dis pas, la mer était à 100 ou peut-être même 200 mètres de là. Et là, elle arrive à moitié digue presque. Et d'ailleurs, on peut s'apercevoir que déjà la mer commençait à inonder.